aussi est une actrice dont le talent n'est plus à prouver mais qui montre à chaque nouveau personnage à quel point elle sait se réinventer. Lundi 7 novembre, Isabelle Adjani sera Diane de Poitiers dans un téléfilm historique éponyme en deux parties, diffusé sur France 2. Très attendu, l'œuvre réalisée par José Dayan devrait marquer les esprits, surtout que l'actrice française, qui a également co-créé le rôle avec la réalisatrice, y interprète une femme libre, passionnée, chargée par le roi de l'éducation sentimentale du dauphin et qui n'hésite pas à profiter de plusieurs amants, dans les alcôves des palais. Une héroïne pour qui la beauté est un sujet important. Tout comme pour l'actrice d'ailleurs, elle qui possède de nombreux petits secrets pour garder si jeune et si lisse son visage reconnaissable entre des milliers. Interrogée par nos confrères de Nice Matin, elle a accepté d'en livrer certains, dont un peu ragoûtant. Je table sur la bave d'escargot, non non, ce n'est pas une blague, ça ralentit vraiment l'apparition des rides, a-t-elle confié, copiant avec cela de nombreuses stars françaises et américaines qui en vantent les mérites depuis plusieurs années. Mais les escargots ne lui suffisent pas vraiment, figurez-vous que leur en dilution homéopathique est absolument non toxique et qu'il m'arrive d'en prendre en oligosol depuis des années, associé avec de l'argent, ça se trouve aussi en ampoule de granion. J'ai toujours été une adepte de la phytothérapie, ce qu'on pourrait rapprocher des remèdes utilisés par les druides d'antan qui furent passibles de procès en sorcellerie. Continue-t-elle, honnête sur ses méthodes peu conventionnelles dont elle jouit depuis le début de sa carrière dans les années 70. Enfin, si la mère de Barnabé, 43 ans, et de Gabriel Kane, 27 ans, aime les méthodes naturelles, comme la régénération par les jus verts, l'argile, les cellules souches, la méditation et l'alimentation anti-inflammatoire, la comédienne aux 5 Césars et aux 2 nominations aux Oscars l'avoue, tout ce qui est mis à disposition des femmes comme des hommes d'ailleurs, dans la médecine anti-âge l'aide un peu et d'ailleurs elle le sait, son personnage ne l'aurait pas renié non plus. Diane aurait craqué pour les lasers nouvelle génération. Explique-t-elle avec humour.